Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle fonctionnalité du logiciel VSDC, l'enregistrement d'une vidéo à partir d'une source externe, ce qui va nous permettre de numériser une cassette VHS. Allez, on y va après ça. Après mes deux premiers tutos sur la numérisation d'une cassette VHS, aujourd'hui je vous présente comment procéder avec le logiciel VSDC. Alors avec VSDC, on va pouvoir numériser, modifier la vidéo et l'exporter, un peu comme je l'avais fait avec Vidéo Deluxe. Et en plus, il est gratuit. Alors avant de commencer la numérisation, et comme dans les précédents tutos, je vais faire l'inventaire du matériel dont on a besoin. Alors si vous avez visionné mes précédents tutos, il n'y a pas grand chose qui a changé si ce n'est le logiciel et une ou deux infos. Allez, c'est parti. Pour ce qui est de l'inventaire du matériel, c'est pratiquement la même chose que mes précédents tutos. Il faut bien sûr un magnétoscope ou un caméscope, un adaptateur Péritel pour pouvoir récupérer les signaux vidéo et audio, sans oublier un jeu de câbles avec les prises RCA rouge, blanche et jaune. Une clé de numérisation qu'on branche sur une prise USB du PC. J'en profite pour faire une remarque suite à différents commentaires que j'ai eus sur mes précédents tutos. Il faut choisir une clé de numérisation compatible CCAM. Beaucoup de clés ne font que NTSC ou PAL. Ensuite, il faut installer, si ce n'est pas déjà fait, le logiciel VSDC. Petit rappel, VSDC ne fonctionne que sous Windows. Je ne sais pas si une version sortira pour Mac et Linux. Dans la description, vous trouverez le lien pour le télécharger et je vous invite à visionner mon tuto à la découverte de VSDC première partie où je donne plus de détails sur le téléchargement. Sans oublier, bien sûr, une cassette VHS à numériser. Aujourd'hui, je vais numériser un extrait d'une émission d'Antenne 2 de 1990 sur les incendies qu'il y avait eu à l'époque dans le Var. Donc voilà comment se présente VSDC au démarrage. Nous sommes en version gratuite, donc on a cette petite fenêtre là qui nous demande de passer en version pro. On ferme ça. Ici on a des icônes pour des lancements rapides. On peut faire un projet vide, créer un diaporama, importer directement des vidéos, enregistrer l'écran. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est enregistrer une vidéo depuis une source externe. Alors, je clique là-dessus. Et là, une nouvelle fenêtre s'ouvre pour faire cette capture de vidéo venant d'une source externe. Alors ici, on a deux onglets. On a les settings pour le format de la vidéo de sortie, j'y reviendrai après. Ici, on a un onglet pour la source vidéo et pour le son, donc je clique là-dessus. Par défaut, quand on démarre cette application, il est ici sur la caméra qui est en fait la webcam de mon PC. Donc ça, c'est pas ce qui m'intéresse, bien évidemment. C'est de voir ma clé de numérisation. Donc je clique sur le petit triangle et ma clé de numérisation s'appelle USB2 Grabber. Vous, selon le modèle de votre clé, vous aurez certainement un autre nom. Ici, dans Vidéo Inputs, on choisit comment va être raccordée la clé numérique au magnétoscope. Donc on a vu qu'on peut être soit avec des prises RCA, soit avec la S-Vidéo. Donc si on est avec des prises RCA, on restera sur composite. Ensuite, on a le standard de la vidéo analogique. Alors par défaut, il est sur NTSC. Pour numériser des cassettes VHS du standard français, c'est du CCAM-L. Donc on met le CCAM-L. De toute façon, si vous n'avez pas choisi le bon standard, quand vous visionnerez votre vidéo, elle sera la plupart du temps en noir et blanc. Donc c'est dans le standard vidéo, c'est très simple, on fait des choix ici. Donc si c'est un caméscope, normalement en PAL B, ça doit fonctionner. Ensuite, on a l'audio setting. Alors, on a le dispositif de capture de l'audio. Alors, il a mis USB2 Grabber. Ça ne fonctionne pas, je dois mettre interface audio numérique USB. Alors, là, tous ces paramètres sont tout bons. Ça va fonctionner, sauf que, parce qu'il y a toujours un mais. Ici, on a un bouton Renders. Et là, il y a le Render Audio qui n'est pas coché. Alors, Render Audio, c'est pour qu'on entende l'audio et qu'on l'enregistre. Donc, il faut cocher cette case. Sinon, si elle n'est pas cochée, vous n'entendrez pas, d'une part, le son. Et en plus, il ne s'enregistrera pas. Et donc, on fait OK.
Alors on va déjà faire un petit test avant d'aller plus loin pour savoir si l'image est bien en couleur et si on entend le son. Alors je mets en route le magnétoscope. Voilà, on a bien l'image en couleur et on entend le son. Bon, ça c'est déjà pas mal. Voilà, en off, j'ai remis le magnétoscope à zéro. Maintenant on va aller voir les settings. Dans l'onglet settings pour le format de la vidéo finale, on a plusieurs solutions. Le format recommandé, le format natif et custom, c'est-à-dire personnalisé. Ici, on a le codec Windows Media Video 9 qui est un codec de Microsoft. Avec ce codec, on va enregistrer une vidéo au format ASF qui est Advanced System Format, qui est aussi un format de Microsoft. Alors l'avantage de ce format, c'est que la taille de la vidéo sera relativement petite. L'inconvénient de ce format, si la cassette d'origine n'est pas terrible, on va avoir des pixelisations, ce qui est le cas avec ma vidéo. Donc moi, ce que je vais faire, je vais venir dans Custom pour personnaliser mon format. En cliquant ici, j'ai plein de choses, mais bon, ça m'intéresse pas. Je vais aller dans Settings. Alors dans Settings, j'ai le format vidéo. Moi, je vais prendre le format AVI. Le codec, c'est le MPEG compresseur. La résolution. Alors, la résolution, normalement, c'est du 4 tiers. Donc, je vais lui mettre du 640 par 480. Bon, on peut choisir éventuellement un autre format, mais c'est celui qui est le plus utilisé en numérisation. Donc, je clique 640 par 480 en 4 tiers. Voilà, j'ai paramétré mon format vidéo. Je fais OK. Ensuite, ici, il y a la destination de la vidéo. La vidéo va être enregistrée dans le dossier vidéo du PC et à l'installation, il a créé ce dossier vidéo enregistré ou recorded vidéo. On peut bien sûr choisir un autre emplacement en faisant parcourir avec le bouton brosse. Maintenant, on est prêt à numériser la cassette VHS. Comme il n'est pas toujours évident de lancer la lecture du magnétoscope et l'enregistrement ici, moi je vais démarrer l'enregistrement, puis lancer la lecture du magnétoscope, et après je couperai ce qui me gêne. Donc je lance l'enregistrement, et dans la foulée, je lance la lecture sur le magnétoscope. Et c'est parti. Voilà, donc là, on a la vidéo qui défile, enfin la cassette qui défile, et on voit les images. Ici, on voit la durée d'enregistrement actuelle et la taille du fichier actuel, quoi, qui défile très vite. Voilà, je vais m'arrêter par là. Voilà, je vais arrêter là. J'arrête le magnétoscope. Voilà, il m'a dit que l'enregistrement est complet. Donc on a fait un enregistrement de 38 secondes et on a 200 mégas. Si on avait fait au format ASF, on aurait un fichier 10 ou 20 fois moins gros. Maintenant que la numérisation est terminée, on peut voir dans le dossier vidéo enregistré notre fichier qui par défaut s'appelle record underscore 00001.avi parce que j'ai choisi l'avis. Donc maintenant que c'est terminé, on va retourner à VSDC pour traiter cette vidéo. Alors je ferme la fenêtre. On voit que VSDC ne s'est pas ouvert, mais il est toujours dans la barre de tâches. J'ouvre VSDC. Par contre, la fenêtre n'est pas maximisée. Ce n'est pas grave, on la maximise. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette vidéo. La numérisation est finie et on pourrait s'arrêter là et exploiter le fichier AVI ou ASF. Alors pour deux raisons, je vais travailler sur la vidéo. Un, parce que j'ai démarré la numérisation avant de démarrer le magnétoscope, ce qui fait qu'il y a des coupes à faire. Et en plus, je ne vais pas garder un fichier en AVI ou en ASF, je vais le faire en MP4. Alors, je vais créer un projet vide en cliquant ici sur cette icône. Je vais l'appeler tuto numérisation. Voilà. Et ici, je pourrais changer la résolution en lui mettant la résolution de 640 par 480. Soit on met la résolution ici avec la fréquence d'image qui correspond à la numérisation, soit on peut le faire directement quand le projet est créé. Alors moi, je vais le faire quand le projet est créé. Donc je valide par bien. Dans la fenêtre des propriétés,
J'ai tuto numérisation qui est le nom de mon projet et je vois que je suis en 1920 par 1080. Donc ici, je vais lui mettre 640, ici, je vais lui mettre 480 et ici, je vais lui mettre 30 images secondes, comme pendant la numérisation. Alors là, j'ai un message qui me dit que si j'ai modifié, les objets risquent d'être positionnés d'une autre façon sans la timeline. Bon, comme j'ai pas d'objet, ça me pose aucun problème. Bon, ici, mon écran de visualisation, du coup, il est un peu petit. Eh ben, je l'agrandis, je peux passer par là, ouais, 90, ouais, c'est pas mal. Et donc, maintenant, on va insérer la vidéo numérisée. Alors pour cela, on fait insérer une vidéo. J'arrive moi directement dans mon bon dossier. Mais si ce n'est pas le cas, il faut le chercher. Je sélectionne la vidéo et je l'ouvre au début de la scène et j'ajoute une couche. Alors, ce qu'on va faire, on va couper au début et à la fin. Il faut que je trouve le bon point de coupe. Alors, je peux chercher comme ça, mais ce n'est pas évident. Alors, je vais me positionner ici. Et avec les flèches du clavier ou alors avec ces deux triangles, déplacer le curseur à l'image suivante ou déplacer le curseur sur l'image précédente, je vais chercher l'endroit précis où je dois faire ma coupe. Donc là, je fais image par image. Hop, ah, je vais peut-être aller un peu loin, je reviens. Ouais, c'est pas mal. Là, ça va pas. Donc je vais me mettre ici. Et à ce moment-là, il va falloir que je coupe cette partie. Et bien, pour couper cette partie, donc avant le curseur, et bien pour ça, je prends le ciseau et je fais début du coupement. Et la première partie a disparu. Je prends ma vidéo, je la ramène à la position 0. Je fais la même chose à la fin. Et là, avec vers l'image précédente, je cherche l'endroit où je vais faire la coupe. Voilà, c'est là. Là, je fais le ciseau et fin du coupement et la dernière partie sera effacée. Alors maintenant, on s'aperçoit que sur le côté gauche, là, il y a une espèce de bordure noire. Les autres côtés sont pas mal. Alors, moi, ce que je veux, c'est supprimer cette bande. Alors pour cela, je peux redimensionner en jouant sur les poignets. Je peux utiliser l'effet zoom ou alors on va utiliser l'effet recadré. Donc je fais effet vidéo, transformation et recadré. Durée du parent entier, oui, bien sûr, dans une nouvelle couche. OK. Dans la fenêtre des propriétés, on voit l'outil recadré. Alors, la première chose à faire, on va rogner les bords. Donc, on va cliquer ici, là, sur cette bande qui est marquée rogner les bords. J'ai la fenêtre de travail ici, mais bon, j'ai mes poignets ici qui vont me permettre de supprimer cette bande. Alors, qu'est-ce que je fais ? Ben, je clique là, sur cette poignée, et je déplace mon pointillé, mon trait vertical. Voilà, je le mets à peu près comme ça. Ensuite, je vais le faire de ce côté parce que j'ai vu qu'en faisant des essais, c'était pas terrible. Je mets comme ça. Ça va pas mal. Donc quand c'est terminé, je viens ici dans bord rogner. Je clique sur l'icône rogner les bords et je choisis une définition ici. Moi, je vais choisir définir la largeur et la hauteur selon le rapport d'aspect du point précédent. Je fais ça et maintenant j'applique les effets. Et hop, je n'ai plus de bordure noire, qui est formidable. Je reviens sur scène 0 et maintenant je peux appliquer des effets comme les styles rapides ou autres. Bon, je vais laisser tel que. Maintenant, je vais exporter la vidéo au format MP4. Donc pour cela, je vais dans exportation du projet. Je vais choisir mon format d'exportation, donc je suis bien dans Internet et j'ai vers MP4. Ici, j'ai les paramètres du MP4 que je peux modifier là, que je peux modifier ici, mais le mieux, c'est pour y voir toutes les possibilités, c'est d'aller sur Modifier. Donc j'ai différents choix possibles. Je vais rester en H224 et je vais augmenter la qualité. Je vais la mettre à 95. Et surtout, j'applique le profil. Ensuite, ici, il va aller me stocker le fichier dans le dossier vidéo. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais changer la destination et je vais aller dans mon dossier tuto et donner un nom à ma vidéo. Il a par défaut tuto numérisation, qui est le nom du projet. Eh ben, moi, je vais l'appeler Canadair. Et j'enregistre en MP4. Quand ça c'est fini, tous les paramètres sont sélectionnés, je fais exporter le projet, je suis en version gratuite, donc je n'ai pas d'accélération matérielle, c'est pas grave, je fais continuer, et on voit ici que la vidéo est en train de s'enregistrer, et on voit les images. Quand c'est fini, il m'avertit que c'est terminé, je fais bien,
Si j'ouvre mon dossier tuto, je vois que j'ai la vidéo Canadair. J'ouvre et je vois le son. Voilà, et je vois ma vidéo. Voilà pour l'exportation. Avant de conclure, je vais vous montrer la différence entre le format AVI et le format ASF grâce à ces deux images des numérisations en AVI et en ASF. À droite, sur l'image du fichier ASF, on voit ces carrés alors qu'on ne les voit pas sur celle de gauche qui est du fichier AVI. Bon, la qualité n'est pas top, mais ça vient de ma cassette VHS qui est fatiguée avec le temps. Donc on voit aussi que la taille du fichier AVI est plus importante que celui en ASF. Voilà, grâce à VSDC, nous avons une solution complète pour numériser les cassettes VHS ou provenant d'un caméscope. J'espère que ce tuto vous aura donné envie d'utiliser un peu plus VSDC. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!